oui, Gab. Tu te rappelles quand t'étais bourré en soirée et que t'as fait un poirier et que t'as défoncé la porte des toilettes? Fais gaffe à la route, Gab. Qu'est-ce que j'aurais donné pour voir ça au lieu d'avoir à finir un putain de devoir de chimie? T'es trop chiant, Yann. Il y a toujours une merde qui t'arrive quand ce genre de moment débarque. Ouais, bah ça va, hein. T'es pas si tranquille, toi. Ah, mais avec toute la castagne que t'as envoyée au collège. J'avoue, t'étais grave vénère, meuf. Il fallait bien que quelqu'un vous protège. Vous étiez les noobs de l'école. Bon, quand est-ce qu'on arrive? Mais Yann, t'es déjà venu une centaine de fois. Gab, dis-lui, là. On va arriver dans... Ah, il doit avoir de la famille, des amis. On va certainement lancer des avis de recherche et faire des battues dans les environs. Si on l'enterre, ils vont le retrouver trop facilement avec les chiens. On n'a qu'à le démembrer. On jette ses membres dans une rivière, on attache des poids autour, comme ça rien remonte à la surface. Oui, mais les chiens risquent de se détacher, je pense. Non, il faudrait peut-être le brûler. Ça va faire de la fumée noire. Et puis le sol va être cramé, ça risque d'attirer l'attention. Je peux pas faire un truc pareil. Putain, jamais je vais pouvoir le découper. Faut que j'aille vomir. Oh putain, non, non, moi je peux pas faire ça. C'est mort. On peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Plus qu'une solution, si on peut pas le découper pour l'enterrer, on a qu'à l'enterrer sans le découper. Ouais. Ouais, je suis d'accord. J'étais petit, mon grand-père me racontait souvent ce qu'il avait vécu pendant la guerre d'Algérie. Les horreurs, l'inhumanité des hommes. Un jour, il m'a dit que pour éviter d'être jugé de ses crimes à la fin de la guerre, lui et ses camarades démembraient leurs victimes et les enterraient près d'une rivière pour que les chairs pourrissent plus vite. Ensuite, il plaçait du fourrage sur la terre pour pas qu'on voit la démarcation sur le sol. Personne ne les a jamais captés. Bon, vous connaissez pas des paroles religieuses? Je
n'ai absolument aucune prière.